comprends pas ce qui m'est arrivé, ni à Snertmoc. Oh, Geneviève, Geneviève. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bibi? 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 Bibi, c'est 9944X, c'est ici. Bibi, où est-ce que t'es? Je suis ici, Geneviève. Geneviève. Bibi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est toi qui criais si fort? Geneviève, il m'est arrivé quelque chose de terrible. J'ai eu peur, Geneviève. Bibi, calme-toi. Prends une grande respiration. Bon. Et viens me rejoindre, là, puis raconte-moi ce qui s'est passé. Je me demande ce qui arrive à Bibi à 3 heures du matin. Geneviève, j'ai eu un accident. Hein? Quoi? Comment ça? Où ça? Sur la terre, dans la rue. Mais comment ça, Bibi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que j'étais sortie sur la terre. Je me souviens pas pourquoi. J'étais pas loin d'ici, là, près du parc. J'ai regardé, je faisais rien, puis tout à coup, il y a un terrien qui m'a parlé. Hein? Comment ça? Oui, Geneviève, il m'a dit... Hey, toi, qu'est-ce que tu fais là, déguisé de même? Bibi, est-ce que t'avais oublié de te transformer en invisible? Mais non, Geneviève, je suis sûre que j'avais pas oublié. J'avais dit la formule. Mais le terrien me voyait quand même. Puis pas seulement lui, tous les terriens me voyaient. Ils me regardaient, puis ils riaient. Il riait? Oui, Geneviève. J'avais jamais entendu des terriens rire comme ça. Et il riait, puis ça faisait comme de la musique, comme le basson de Julien. C'est bien bizarre dans ton histoire, Bibi. Là, sais-tu ce que j'ai fait? J'ai couru fort, mais on dirait que j'allais pas vite. J'étais plus capable de courir, de marcher presque. Là, il y a des enfants qui sont arrivés. Des enfants? À cette heure-ci? Oui, plein d'enfants qui jouaient avec des ballons. Il y en avait de toutes les couleurs. Oh, c'était beau, Geneviève, c'était beau. Je voulais jouer avec les ballons, moi aussi. Alors je disais aux enfants, à moi le ballon, la passe. Mais Geneviève, ils m'entendaient même pas. Je criais, Geneviève, je criais très fort. Puis ils répondaient pas. Je pleurais même. Je voulais jouer beaucoup avec eux. Mais qu'est-ce qui est arrivé après, Bibi? Je comprends pas. Quand est-ce que c'est arrivé? Tantôt. Ça vient juste d'arriver. Ah. Mais j'ai pas fini mon histoire, Geneviève. C'est là que c'est devenu terrible. Oui. Tout à coup, il y a un terrien qui a envoyé son ballon dans la rue. Moi, j'étais tout prêt, alors je suis allée le chercher, mais j'ai pas regardé, puis il y a une auto qui m'a frappée. Bibi, tu t'es fait frapper? Mais où ça? Dans la rue! Oui, ça je comprends, mais Bibi, où? Est-ce que t'es blessée? Oui, oui, j'étais blessée. J'étais couchée à terre, puis je pouvais plus bouger. Tous les enfants étaient là. Ils me voyaient tout à coup, puis ils disaient... Il faut le transporter à l'hôpital. On dirait qu'ils se rendaient pas compte que j'étais un extraterrien. C'est vraiment bizarre. Puis qu'est-ce qui t'est arrivé, là? Je sais pas, Geneviève, je me souviens plus. Oh, mon Dieu, c'est une drôle d'histoire, ça. Oui, je sais que c'est une drôle d'histoire, Geneviève, parce que tantôt, là, j'étais rendue dans mon vaisseau. J'étais couchée dans mon siège de sommeil, comme d'habitude, quand c'est la nuit. Dans ton siège de sommeil? Ouais. Comme d'habitude? Oui, sauf que j'avais peur. C'est pour ça que je t'ai appelée, Geneviève. Ben, pourquoi je me souviens même pas d'être sortie dans la rue? Puis pourquoi j'ai eu un accident pendant le jour, puis là, c'est la nuit? Parce que, Bibi, t'es pas sortie dans la rue. Et puis ton accident, là, tu l'as pas eu vraiment. Oui, Geneviève, tu me crois pas? Mais oui, je te crois, Bibi. Mais ce qui t'est arrivé, là, Bibi, c'est que t'as fait un cauchemar. Quoi?
Ça va mieux, là? Oui, Geneviève, beaucoup mieux. J'ai limonade. Je savais pas que c'était bon pour la paix aussi. La limonade, c'est bon pour plein de choses, Bibi. Bon, alors maintenant, tu vas m'expliquer cauchemar? OK. Ben, un cauchemar, là, Bibi, c'est comme un mauvais rêve. C'est un rêve qui peut nous rendre tristes, des fois. Un mauvais rêve? C'est quoi un rêve? Tu sais pas ce que c'est un rêve? Non. Oh, ben, ça va être un petit peu plus long que je pensais. Ah. Un rêve, là, Bibi. Ouais. C'est des images qui se forment dans ta tête pendant ton sommeil. Hein? Mais comment? Ben, quand tu dors, là, Bibi, ouais, ton cerveau, il arrête pas de fonctionner. Et puis ton imagination, puis ta mémoire, c'est elles qui produisent les images que tu vois dans ta tête. Ah! Oh. T'es sûre que t'as jamais rêvé, Bibi? Je suis sûre, Geneviève. Sur la planète XYZ, ça n'existe pas, les rêves. Bah, peut-être parce que c'est parce que sur ma planète, on dort beaucoup moins qu'ici. Peut-être. Et ça doit être drôle de jamais rêver. Ben, Geneviève! Oui? Pourquoi c'est mauvais, les rêves? Oh, mais c'est pas toujours mauvais, même que c'est plutôt rare. D'habitude, c'est même très agréable, un rêve. Des fois, là, on fait des rêves tellement drôles qu'on se réveille en riant. Tu sais, Bibi? Ouais? On peut même trouver des idées, des fois, dans nos rêves. Hein? Moi, je trouve pas que c'est une bonne idée que j'ai trouvé de me faire frapper dans mon rêve. Non, ça, c'est sûr. Mais ça t'arrivera pas toujours. C'est rare qu'on fait des cauchemars. Pourquoi j'ai rêvé ça, Geneviève? Ah, ben ça, c'est dur à savoir, hein. Peut-être parce que... Des fois, c'est parce que il arrive des choses bizarres dans la journée. Et puis là, ça nous revient dans nos rêves. Mais transformés en mieux ou en moins pire. Ça dépend. En pire, des fois. C'est ça, Geneviève. Je me souviens, là. Aujourd'hui, quand je suis allée sur la Terre, pour vrai, vrai, là, il y a une auto qui est venue très près de moi pendant que j'attendais pour traverser la lumière. Ah. Puis j'ai eu un petit peu peur. Ben, tu vois, quand on cherche un petit peu, on comprend d'où ils viennent, nos rêves. Ouais. Moi, je pense que je vais aller me recoucher, Bibi. J'étais justement en train de faire un beau, beau rêve. Non, Geneviève, va pas te coucher, OK? Oh, mais Bibi, je vais pas passer la nuit debout. Moi, je suis fatiguée. Non, je suis sûre que je vais faire un autre cauchemar. Reste avec moi, Geneviève. J'ai peur. Respire bien. Ah, c'est ça. Détends-toi, Bibi. Tu vas voir, si t'es bien détendu, là, ton cauchemar, il reviendra pas. Oui, il va revenir. Je veux pas dormir. Mais non, Bibi, il reviendra pas. Tu sais, Bibi, c'est très rare qu'on fait deux cauchemars dans la même nuit. Moi, ça m'est jamais arrivé, en tout cas. Toi, tu fais des cauchemars, Geneviève? Ah ben oui, ça m'est déjà arrivé, Bibi. Puis dans ce temps-là, là, sais-tu ce que je fais? Non. Eh ben, je me lève, je prends un grand verre de limonade ou bien du lait, et puis je vais me recoucher en essayant de penser à des choses agréables. Ouais, et je vois aucune chose agréable à laquelle penser, Geneviève. Je pense seulement à... à mon accident, puis au terrien qui rit fort. Attends, Bibi, je vais t'aider. Imagine qu'on est tous les deux à la campagne. Il fait beau. Il y a du soleil partout. Ah oui. Oui, il y a 13 soleils qui brillent, comme sur ma planète.
C'est une bonne idée. Il y a 13 soleils et puis il y a des fleurs partout. Tout à coup, on entend une petite musique. Ah! C'est Julien qui est venu avec nous. Ah, ben, j'avais pas pensé à ça, mais c'est une bonne idée. Non? À quoi tu pensais? Je pensais aux petits oiseaux, Bibi. Je me disais qu'il y avait plein de petits oiseaux au-dessus de notre tête et puis qui chantaient. Et ça faisait de la musique. Et puis nous, on se mettait à danser ensemble. Ah oui. Oui, puis Julien, il joue de la flûte en même temps que les oiseaux. OK. Ah. On est bien, Geneviève. Oh oui, on est bien, Bibi. On est très bien. Elle dort pas, Geneviève, elle dort pas. Oh, mais Bibi, je suis fatiguée, moi. Puis à part de ça, t'as plus peur, là. T'es rassurée. Oui, oui, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur d'avoir peur encore. Et puis, j'aime ça quand tu me fais faire un voyage dans la campagne en parlant, là. Ça me rassure. Mais je comprends, Bibi. C'est agréable de se faire rassurer, mais il va falloir que tu apprennes que, à un moment donné, les rêves, même si ça se passe pour vrai, c'est juste des rêves. Puis il va falloir que tu apprennes à te rassurer tout seul à part ça. Hein, Bibi? Ah! Oui. Oui, Geneviève. Je vais l'apprendre. Mais c'est vrai que c'est agréable de se faire rassurer. Moi, là, quand j'étais petite, des fois, quand je faisais des cauchemars, j'allais rejoindre mes parents dans leur chambre. J'allais voir mon père ou bien ma mère pour qu'ils me consolent. J'aimais ça quand ils me consolaient. Et puis, après, ben, je retournais me coucher dans ma chambre. Mais des fois, j'aimais tellement ça que j'exagérais un petit peu. J'allais retrouver mes parents, même si, dans le fond, j'avais juste fait un petit rêve. C'était pas un vrai cauchemar. J'exagérais pour mieux me faire consoler. T'es sûre que c'est pas ça que t'es en train de faire, là, Bibi? Exagérer un peu ta peur pour te faire consoler? Bibi? Bibi? Il dort. Oh, citron!